Ça arrache! Ah, je sais pas si vous avez bien entendu le son. Quelle sensation! Constructeur de moteurs d'avions et de trains à grande vitesse, comme le Shinkansen japonais, Kawasaki Heavy Industries a bousculé le monde de la moto en 2015 avec la H2R. Un missile de 320 chevaux, suralimenté par compresseur. Version H2 pour la route, l'hypersportive développe encore 215 chevaux, mais le plus fort réside aujourd'hui dans sa nouvelle version H2SX, une moto de 210 chevaux, dédiée au tourisme. Test de maniabilité. Ouais, c'est pas évident quand même. Hein. On les sent les 250 kg. Ah, ça se tasse un peu quand même au freinage. Ils ont eu beau durcir la fourche. Les petites épingles, c'est pas évident. Et ça frotte les repose-pieds aussi. Celle-là n'est pas une hyper sportive, Mehdi. Ce petit passage sur le circuit d'Estoril, ce n'est pas vraiment pour faire des tours de piste. Car la H2SX s'apprécie avant tout sur la route, avec son carénage plus enveloppant, son moteur retravaillé pour optimiser sa disponibilité à bas et mi-régime, sa selle passager et ses valises amovibles. Une sport touring de l'extrême, certes, mais un toureur quand même. Alors avant de vous parler du meilleur, je voudrais juste vous faire un petit point sur la position de conduite, que je trouve un petit peu moins radicale que sur la ZZR où on est beaucoup plus allongé. Un petit peu plus radical que sur la Z1000 SX où on a le buste plus relevé. Là, je suis un peu basculé vers l'avant, enfin un peu, je suis bien basculé vers l'avant. Donc on va dire que c'est une position plus sport que touring. Ah, ils ont bien bossé sur le fairing qui offre quand même une protection acceptable pour un TGV. Hein. Bien évidemment, on n'aura pas une protection comparable à une GTR 14, mais je trouve ça quand même bien. Moi, ce moteur, ce moteur, oh là là, ce moteur, mais quelle débauche de watts, c'est excellent. Alors déjà, il est souple, à 1500 tours minute, on peut commencer à le chatouiller, il n'y a pas de problème. Pas d'à-coup, de l'onctuosité, de la souplesse, et dès que vous ouvrez, alors là, la montée est assez explosive, hein. je pense que c'est le terme, c'est une explosion avec le bruit qui va bien. Je trouve ça dingue comme ce compresseur d'air permet de vraiment remplir les moyens et les bas régimes, ce qui fait qu'on a vraiment un agrément, mais j'ai envie de dire exceptionnel, presque truc de ouf. Niveau partie cycle, pétard, c'est du costaud ça aussi cette affaire. On sent que elle est très rigoureuse cette moto. Faut vraiment rester vigilant. C'est une moto d'expert. Il vaut mieux bien anticiper, pas d'approximation à bord de la H2SX. Et que dit le passager à bord de cette H2SX? Bon, déjà le mien il dit pas grand chose, je l'ai perdu quand j'ai passé la seconde sur l'autoroute. Non, trêve de plaisanterie. Forcément sur un toureur ultime de 210 chevaux. Sa position est pas complètement radicale, mais il va falloir qu'il s'accroche au pilote s'il veut vraiment faire partie du voyage, parce que les axels sont quand même phénoménales. Il a des bonnes poignées, ok, mais il n'y a rien pour le retenir derrière, ça c'est moyen. Bon, à niveau freinage, ça mord façon pitbull, mais tout est bien gérable. Moi j'adore le freinage avant. Et l'ABS travaille bien avec les pneumatiques Bridgestone S21. C'est des bonnes gommes. En revanche, l'arrière ne sert à rien. J'adore, c'est génial. Pour les sensations, merci Kawa. Singulière, un rien à contre-courant de la législation actuelle, la H2SX et ses 210 chevaux est uniquement proposée en version SE, spéciale édition, et en coloris vert noir, au tarif de 21 999 euros tout de même, plus 852 pour ses valises additionnelles.
Sinon, pour les amateurs de GT raisonnables, demeure la Zen 1000SX, vendue 13 599 euros. My god, mais c'est quoi cette mule? Ils sont fous ces japonais. H2 SX, H2 surtout, SX un petit peu, mais surtout H2.